Mais avant cela, nous allons remettre au chef du parc officiellement cette pépinière. Donc Strong Roots vous remet cette pépinière, remet au parc, pour que le parc remette cette plantine aussi à la communauté. J'aimerais que le chef Wakamali Ombo. Oui, il m'a vendu aussi une parcelle pour un pygmée le plus ancien d'ici. On voulait quand même honorer le pygmée aussi en l'air d'autant et d'une parcelle cadastrée avec tous les documents de l'État. C'est un chef très dynamique, je l'aime très très bien, le chef Kamali Ombo. Kuko chef Waingine Mungini Gwap. Karibou. Sasa, hii kazi inakuwa yetu shigo. Bi leo tuache kufungwa, turudie kwanza huku kwetu tuangalie kama tunaweza pata. Kama liongo, muti pepiniere hii minakupatia leo. Chibinda premier. Ndiyo chibinda premier. Chibinda premier na kashanja. Chibinda kashanja. Kashanja. Ni kusema tangu leo. Mi ndakuwa nakuya kubauliza munioneshe kwenye imiti liyoto. Mwenjo ndakuwa nauliza. Mulifanya mzuri kutia ituyo ya mai. Nadhani hii kiwanja hamtaiuzi. Tuangalie gisi ya kuichunga ikuwe fasi yetu ya kutoa miti mpaka gisi tutaoneza. Mutaijua kama shibote tunajiunga pamoja. Kusudi tutumike pamoja. Na itatuma sitafungaka tena ba mama. Juzi bali nishitake zeni nilifunga ba mama ngambo ya kwa Apolinere hapa. Nilivafunga juu nibaambie kama kuingia mule inakataziwa. Na leo mimi nakuja sasa kumungini kuvafunza kama tunaweza pata miti yetu huku kwetu kuepuka kufungwa kule na serikali. Si vile? Nafikiri kama leo hatuna diskuru ya mingi, hii njoba naitaka mwanzo ya kuanza. Sasa le début du commencement. Ni kusema leo tunafanya hii symbole. Coordinateur alifanya journée ya arbre le 8 octobre. Mais haiko kusema tu tunafanya le 8 na vinaishia pale. Sisi tukaiendelesha sasa. Donc tunaendelea mwaka mzima mpaka gisi tu mvule takatikaka tupande. Na faida tutaiona leo. Lakini mkisha miezi tatu kuko mtu mmoja alinionyesha plantation ya kuendelea mbele kidogo pale. Ananiambia mzee kisha miezi 4 ndakuwa mshamuka. Imagine dans 3 mois vous voyez je serai un homme donc lui-même anasikia deja furaha ya kuona mti yake nafika hapa. Benyeba na yuo Bukavu zamani, haunge lala na dra de litu. Il fallait ukuwe na bulangeti. Na shiza hapa zamani wakua tupatia mabulangeti ya zamu. Njoba anasei kuna kifukutu mingi kusudi baridi. Lakini leo tuko tunalala bila kujifunika. Setadiri kuko kitu ilisha badilika. Na kwenye kuko jangwa leo haikuanza jangwa. Kulikuwa miti zamani wakamaliza likupanya kati. Benyeba ishaenda Uvira watabaambia maisha yenye iko kule. Donc ninapenda seremoni ya leo mukamate hii miti sawa yenu. Nadhani inatosha kwa hilo. Maintenant on va passer à l'étape de la plantation. On commence par les mamans. Ulisema maître ngapi ngapi? Non, un mètre par rapport à la taille. C'est ça. C'est un boulongo, il y a eu le yote. Au bord du champ. Mais on a dit qu'il y a un kamatisha. Pour que ça m'inda funika. C'est un bouquet comme ça. Il y a un mouzou, il y a un mouzou. Consultant Hubert Mlongoui, je suis consultant dans le service environnemental et je suis chargé du blog et c'est dans le cadre du tourisme. C'est depuis hier que nous sommes ensemble avec Monsieur Robert et son équipe dans son campement et il y a environ 10 mois qu'ils sont dans cette forêt pour l'habituation d'une famille de gorilles appelée Langa. La hiérarchie nous a envoyé de pouvoir documenter ce qu'ils font sur le terrain. Et nous allons devoir entrer en forêt avec eux, voir ce qu'ils font, voir le niveau du travail, voir où est-ce qu'ils en sont avec l'habituation. C'est ainsi que nous allons devoir tracer avec le commandement de M. Robert Mbili. C'est-à-dire qu'il va nous montrer par où passer pour ça. Je suis Robert Mbili.
Je suis chargé de la situation des familles de Gorille. Puisque la famille de Gorille, ce n'est pas la première famille que j'ai fait l'habituation. J'ai fait l'habituation chez la famille de Gorille et Ninja. C'est la première famille que j'ai fait l'habituation avec M. Koto. Calme. Quand vous entendez le mâle crier, c'est une façon de nous demander qui êtes-vous. Maintenant, pour répondre que nous sommes entre nous-mêmes, nous devons faire. C'est une façon de lui dire que nous sommes les mêmes, il n'y a pas de problème. Et lui, quand il entend ça, il est déjà rassuré que vraiment nous ne sommes pas à l'attaquer. Parce qu'un ennemi à lui ne peut pas faire. Puisque lui ne connaît pas ces consignes-là. Ok? Ha 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 ha!